Je ne veux pas l'accepter. J'ai beaucoup toléré. Oh, Ezene, te voilà. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me traites ainsi? Est-ce un crime pour avoir été gentil envers toi? Pas du tout. C'est ça? Pas du tout. Bonjour, bonsoir. Garde tes salutations, c'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est mon argent. C'est mon argent, Ezene. Ça fait 3 semaines que tu as complètement refusé de me donner mon argent. C'est comme ça que nous allons faire ce business. Non. Est-ce comme ça qu'on fera ce business, Ezene? S'il vous plaît. C'est juste que mon tuk-tuk était tombé en panne et j'essaie de les réparer. Je t'ai promis que je vais faire quelque chose à propos. C'est déjà en réparation et ça va aller. Ezene! Ezene! Hein? Combien de fois t'ai-je appelé? Ne me force pas à devenir moi. Si à la fin de cette semaine, tu ne me donnes pas quelque chose de signifiant, tu vas me détester, Ezene. Je te le promets. Je vais faire quelque chose. Monsieur, s'il vous plaît, on ne peut pas en arriver là. Pitié. Ezene, hein? À la fin de cette semaine. Oui, monsieur. Si tu veux, tu peux même vendre tes filles. Hein? Tu as toutes ces filles autour de toi et tu continues à souffrir. S'il vous plaît, monsieur, partez. Est-ce que tout le monde est censé conduire un tuk-tuk parce que ça donne de l'argent? C'est pour vous, monsieur, t'es venu. Partez, monsieur, s'il vous plaît, partez. Voyez-moi cet homme, mais tu es malade, c'est quoi ton problème? Es-tu venu pour mes filles? Il a un problème avec sa tête ou quoi? Vous lui devez qu'il parle de cette façon, maman. C'est ça. Il a vraiment eu de la chance aujourd'hui, sinon j'allais les... C'est comme si c'était de l'enfant. Maman, c'est bon, arrête. C'est bon. Les mécaniciens sont en train de les réparer. Je ne le fais pas exprès. Le peu d'argent que j'avais gagné, maman, je l'ai encore remis auprès de mécanicien pour qu'il répare ses tuk-tuk. Arrête, maman. C'est... Imagine comment il criait sur moi. C'est bon. Arrête, maman. Maman, je t'en prie. Arrête ça. Où est-ce que je serai? Maman, ça va aller. C'est bon. Tout ira bien, maman. Bientôt, nous finirons nos études. Mm-hmm. Et tout ceci ne sera que du passé. Ça va passer. Amen. Bientôt. Amen. Je fais confiance. J'ai confiance en vous. Okay. Je sais que vous ferez ma fierté. Je le sais. Oui, que Dieu vous bénisse, mes filles. S'il vous plaît, les gars, le tuk-tuk s'est arrêté. Aidez-moi à le pousser. Je vous en prie, aidez-moi à le pousser. Madame, oui? Comptez à pousser quoi? Donc, moi, je suis monté pour que tu me portes. Là, tu me demandes de pousser les quelqu'un. Elle va le faire, hein? Elle va le faire. Madame, j'ai pas le temps pour ces bêtises-là. Va les pousser toi-même. Je vous en prie, les gars, ne vous fâchez pas. C'est juste que ça s'est Attends, arrêté. Attends, madame. Combien de fois allons-nous t'aider à pousser ce tuk-tuk aujourd'hui? Depuis que nous y sommes entrés, combien de fois l'avons-nous fait? Et tu nous demandes de les pousser encore? Madame. Depuis tout ce temps qu'ils nous avaient transportés, allons par-ci, allons par-là, non, pas par-là, ça nous donne la haine. Hein? Je vous supplie et je ne le ferai plus parce que je risque de vous insulter. Poussez ce kéké, en tout cas, ça ne sera pas moi. C'est pas toi. Mais dépêchez-vous, non, d'appartir, non? Je sais et je comprends, mais aidez-moi quand même. Regarde, donne-moi l'argent que je viens de te donner. Donne-moi! Non, attends, laisse-la d'abord. Ne fais pas. Laisse-la, c'est une femme, tu vois pas? Laisse-la, laissons-la. Allons-nous-en d'ici, ça serait mieux d'ailleurs. Ada, je t'en supplie, écoute-moi, je t'en prie, s'il te plaît. Tu ne peux me faire ça, je t'en supplie, s'il te plaît. Donne-nous juste une chance, ok? Je t'aime de tout mon cœur. Je te le promets, Ada, je ne ferai jamais rien pour te blesser. Ada, je t'en prie. Regarde-moi, Ada, parle-moi au moins, je t'en supplie, allez. Oui, je sais que tu vas encore à l'école. Ada, je t'aime à la folie, permets-moi juste d'aller voir ta mère pour en parler, ok? Je t'en supplie. Ada, écoute-moi, je ne viens pas pour une amitié inutile. Je viens directement pour le mariage. Ok? Du plus profond de mon cœur, je t'aime, Ada. Je t'aime et je...
Ça, c'est ce que je t'étonne pour avoir gâché ma journée. C'est quoi ton problème? On s'est marié par force? Ça ne va pas la tête? Hein? Oh, tu crois que je ne connais pas ton genre? Oh, Ichilim, il est mes bagador. Hein? Tu vas t'en aller et rendre mon futur misérable, c'est ce que tu veux? Tu crois que je ne connais pas ton genre? Eh bien, mon cher, tu te trompes gravement. Si par malheur tu me déranges à nouveau, ce que je te ferai sera mille fois pire que ça. N'importe quoi. Foutaise. Je l'ai reçu. Effé, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? En tout cas, j'ai pitié de toi. Hein? Depuis que Ogre tu n'es pas allé au travail, tu es toujours en train de dormir et ronfler comme une femme enceinte. Effé, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je rêvais. Dans ce rêve, j'étais enceinte et je voulais aller avorter. Tu sais, l'avortement, c'est pas facile. Hein? C'est tout pourquoi je suis comme ça. C'est parce que je prie. Je suis même en train de déjeuner depuis la semaine dernière. Je veux que mon rêve puisse s'accomplir. Tu sais, dans mon rêve, j'ai vu un monsieur qui venait de l'autre côté. Il est venu, il a dit qu'il voulait faire une ou deux choses. La ferme ! Et fais la ferme ! Tais-toi ! Lorsqu'on va t'attraper, trouve-toi un moyen pour te défendre. Hein ? Et fais, as-tu un problème ? As-tu de prier pour ton futur ? Hein ? Dis-moi ! Veux-tu toujours rester une sentinelle ordinaire pour toujours? Effet, j'ai pitié de toi. Si tu finis ton sommeil, viens prendre ta nourriture. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Espèce Mademoiselle de... Toi, vraiment, c'est ton problème. Il fallait me dire depuis longtemps que la nourriture est prête, non? Maintenant que la nourriture est prête, je suis content. Je vais prier pour toi. Tu sais, moi je suis un homme de Dieu. Écoute, Mademoiselle Rose, tout ce que tu cherches dans cette vie, tu l'auras. Tu vas épouser un bon mari. Hé, la nourriture est prête vraiment. Hein? Chou. Hé, la nourriture est prête. Écoute, tu vois cet avortement-là, je vais le faire, rien ne va arriver. Écoute, tous ces gens-là qui planifient le mal pour toi, ils vont échouer. Même cet homme-là qui venait là pour faire une ou deux choses, c'est le tonnerre du ciel qui va la battre pour toi. Je te dis, Mademoiselle Rose, garde-la, je vais là. D'ailleurs, je te suis maintenant là. Hé, la nourriture. Moi je blague pas avec la nourriture. Je mange comme je veux. Oh. Je mange quand je veux. C'est ma distraction ça. La nourriture. Regardez-moi ça. Mademoiselle Rosie, il faut attendre, non? J'arrive. Hey, y a rien. Personne ne va m'intimider. Je le sais, mais tu ne m'avais pas dit que tu partais au village aujourd'hui. Oh, ça va, pas de problème. Mes salutations à toute la famille. Pas de problème, je viendrai le voir bientôt. Ok. Au revoir, prends bien soin de toi pour moi, ok? Je t'aime. Ah. Bye. Jidenna,
Mais qu'est-ce qu'il y a? Vas-tu laisser cette fille en paix pendant une minute? Tu es toujours derrière elle comme si elle était encore un bébé qui ne veut prendre soin de lui-même. Bien sûr qu'elle est mon bébé. Et je dois le faire. Tu sais, la chose que tu ne comprends pas est que l'amour est une belle chose. Et parce que tu n'es jamais tombé amoureux avant. Même si c'était le cas, je n'aimerais pas cette femme de cette façon-là. Elle ne le mérite même pas. Écoute, je comprends pourquoi tu dis ça. C'est parce que tu sais ce qui m'est arrivé dans le passé. C'était dans le passé. J'ai passé l'éponge. Oui, j'ai passé l'éponge. Nina et moi, nous nous aimons très très fort. Et je pense qu'elle est mon dernier arrêt de bus. Judena, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est toujours comme ça que tu commences. Tu leur donnes beaucoup d'amour et à la fin, elles te déçoivent toujours. C'était comme avec Julia. Et alors Chichi, et alors Yvonne, ou peut-être que je devrais continuer la liste. Vas-y, continue, compte. Tu n'es pas sérieux. Je jure, mec, tu n'es pas sérieux, toi. Regarde. Nina est une fille très responsable. Et elle me l'a prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Et tu sais quoi? Je vais m'envoler dans les airs avec elle d'ici là. Tu commences encore à te faire du penser. Je ne te comprends pas. N'est-ce pas que les mécaniciens avaient fixé le tuk-tuk? Et alors, comment ton kéké est encore tombé en panne? Maman, arrête. Maman, pourquoi es-tu rentrée si tôt à la maison? Le tuk-tuk est encore tombé en panne. Encore? Encore. Ah ah! Mais maman, ça fait seulement 2 jours depuis que ça revient chez les mécaniciens. Est-ce que cela veut dire que le mécanicien bouffait de l'argent sans pour autant le réparer? C'est ça même. On doit aller chercher ces mécaniciens. C'est quoi le problème? Exactement. Pour qui c'est problème? Oui, allons-y, ne partez pas. Revenez. Je vous en prie, revenez. Ne partez pas. C'est pas de sa faute. C'est de ma faute. Il m'avait déjà prévenu que ça avait un sérieux problème de frein. Mais c'est moi qui avais insisté de les conduire comme ça parce que je voulais économiser un peu d'argent pour la famille. C'est pour cette raison que c'est tombé en panne. C'est pas sa faute, c'est la mienne. Allez, c'est bon, maman. Alors, pourquoi es-tu revenu avec un récipient vide? On t'a pas apporté de l'eau. Je t'en prie, maman, pour lui, ça c'est une très longue histoire. Ça va aller. Ma soeur, tu l'as vu juste m'ignorer. Au lieu de lui renverser de l'eau. Hein? Oui, non. Donc je devais l'ignorer. Mais dans quelle langue devrais-je encore lui dire pour qu'il arrête de persécuter ma vie? Hein? Je l'aime pas, je l'apprécie pas, il ne comprend pas cela. Mais tu sais que les gens de moi ne peuvent pas le prendre aussi facilement. Jusqu'à ce que tu te convainques. Comment ça? Jamais. Ça n'arrivera jamais. S'il te plaît, ça suffit avec les histoires d'Akachi. Parlons plutôt d'autre chose. Arrête de faire ça, c'est pas bien. Il est un bon homme, il t'aime. Mais tu es une grande fille. Tu as déjà l'âge de te marier, alors accepte-le. Et je vais te soutenir. Oh? Accepte-le. Mais ce n'est pas moi qui le vois, non. C'est toi qui le fais. Dans ce cas, tu la fermes. Mêle-toi de ce qui te regarde. Tais-toi. Voyez-moi celle-là. Akachi, passe. Thank you.
Bonjour, mon amour. Comment tu vas? Allô? Ah oui, comment tu vas? Ah! Désolée, chérie, je n'avais pas appelé quand je suis arrivée. Ma mère était très colère. Le fait que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ok. David. Je lui ai parlé de toi. Et elle a dit qu'elle est très impatiente de te voir. J'aimerais bien la voir. Puis-je lui parler? Maintenant. Ah, désolée, je ne sais pas. C'est comme si elle est de l'autre côté de la maison. Maman? Maman? Ah, bébé, tu connais mieux comment sont les vieilles. T'inquiète pas. Je vais t'appeler dès que tu seras là. Je te passerai un coup de fil. Ok? C'est bon. Prends bien soin de toi pour moi, ok? Je t'aime. Je t'aime aussi. Nina, tu es vraiment une actrice, toi. Franchement, tu mérites un Oscar. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, James. Tu ne vois pas? Tu ne vois pas qu'on a besoin de son argent pour survivre? Nous en avons besoin. Et tes parents? Je ne sais pas. D'ailleurs, tel qu'il est là, il ne connaît même pas mon adresse. Donc, il ne le saura pas. Si tu l'as dit. Juste, détends-toi, chérie. J'ai déjà un plan. D'accord, bébé. Approche. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tout ira bien, bébé. Oui, je te crois. Salut! Eh oh! Eh oh, excusez-moi! Eh oh! Hey! C'est quoi le problème? S'il te plaît, parle-moi! S'il te plaît, je t'en prie, juste parle-moi, je peux t'aider! Ok? Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a fait du mal? Ok, laisse-moi juste te déposer, hein? Partout où tu voudras aller, ok? S'il te plaît, laisse-moi t'aider, ok? D'accord? Viens. Viens, ok? Viens. Ça ira, ok?
vraiment une bêtise pour un homme de faire une telle chose à une belle femme telle que moi. D'autres hommes sont des fous. Hein? Ils doivent vraiment savoir comment traiter une femme. Est-ce qu'on force une relation? À présent, j'étais toi. Je crois et je sais que tout ira bien. Merci. J'apprécie tout ce que tu fais pour moi. C'est bon. C'est bon. Ok? Tu m'as maintenant. Ok. Laisse-moi te ramener. Voilà comment cet endroit est beau. Waouh! Rose? Je connais bien tes jeux. Oui, parce qu'à chaque fois que tu veux me demander quelque chose, tu rends toute la maison splendide. Comme jamais. Mais cette fois-ci, je vais te décevoir. Je ne vais rien te donner. Oui, je ne vais rien te donner. Retiens bien ça, Rose. Alors, où est Nina? Premièrement, ce n'est pas moi qui ai fait tout ce que vous venez de dire ici. C'est Nina qui l'avait fait. Tu as dit qui? Nina. Oui. Et pour le moment, elle nettoie le deuxième salon. Waouh! C'est vraiment la vérité, Oga. C'est elle qui l'a fait. Vraiment? Tu veux dire Nina? Elle est au deuxième salon? Ok, très bien alors. Salut chérie. Salut chérie. Comment tu vas? Ça va. Waouh. Tu sais, premièrement, j'aimerais te remercier pour avoir nettoyé l'endroit entier et avoir pris bien soin de ma maison. Je veux juste te remercier. Mais, je veux dire, tu n'as pas à faire tout ça. Tu ne dois pas te stresser pour rien. Rose est là pour faire tout ceci. Et ça, parce qu'elle est très bien payée pour ça. Bébé, je le sais. Je ne peux quand même pas laisser toi, Rose. D'après tout, je suis une femme. Je finirai par me marier. Et je ne permettrai pas à ma bande de tout faire pour mon mari. Tu vois. Tu es vraiment une merveilleuse femme. Et je pense que c'est Dieu qui t'a amenée dans ma vie. Je t'aime tellement. Et je t'aime aussi. Donc, tu dois faire vite pour ne pas arriver en retard. As-tu oublié que je suis le CEO de mon entreprise? Je sais, mais tu dois servir d'un exemple. Donc, pars. Ah, ok, ok. Avant ça alors, hein? Avant ça. Oh, oh. À plus tard, hein? J'ai laissé un chèque dans la chambre pour toi. Ok? Oh. Prends-le. C'est bon. Bye. Je croyais qu'elle était différente. Pourquoi Nina m'a fait ça vraiment? Ça, c'est parce que tu aimes de tout ton être.
Et c'est comme si ça commençait vraiment à devenir une habitude. Mec, faudrait vraiment que tu te reprennes là. Ok? Ok. Ma vie entière s'est écroulée. Nina a juste fait écrouler ma vie. Elle n'a pas détruit ta vie. Je suis content que ce soit arrivé maintenant. Et si tu lui avais posé cette question que tu lui avais préparée, c'est là que tu aurais été gravement blessé. Mon gars, il faut que tu te reprennes. Hey, pas ça en tout cas. Ça va aller frangin. Allez mon vieux, sois fort. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. Allô? Oui, qui est-ce? C'est moi, Akachi. À quoi? Gingin, à quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, donc de l'eau que j'avais renversée sur toi ne te dit rien. Donc tu es revenu pour de l'eau chaude. Ne bouge pas, je reviens. Ada, quoi? Pourquoi tu m'appelles? Es-tu sourd? Dégage d'ici. Écoute, si tu ne t'en vas pas tout de suite, je vais faire quelque chose que tous les deux allons regretter. Va-t'en. Ada, depuis quand tu es devenu comme ça? Même si tu ne l'aimes pas, ce n'est pas comme ça que tu dois agir. Allez, dégage de là et ferme-moi cette bouche. C'est quoi ton problème? Tu es déjà assez grande, alors pourquoi tu ne l'acceptes pas? Espèce de folle. Et quant à toi, tu es content maintenant. Tu as accompli ta mission. À cause de toi, Akachi, ma petite sœur, ouf, là, là, ça permet de hausser les tons sur moi. Hein? Je te salue. Bon boulot. N'importe quoi. Sœur Ada. Mouna, désolé pour ce désagrément, je suis vraiment désolé. C'est à moi de présenter mes excuses. S'il te plaît, elle est en train de passer par des moments difficiles tous ces jours. C'est pourquoi elle a ce genre de réaction. Désolé. D'accord, c'est bon, je comprends. En fait, je ne sais pas, mais j'ai vu le tuk-tuk de votre mère parqué au boulevard. Et je me suis dit de venir demander pourquoi. Oui, son tuk-tuk est tombé en panne. C'est ça en fait ce qu'elle a comme défi. Je ne vais pas te laisser en suspens. C'est avec ça qu'elle paye nos études. Et Maza Achebe nous aide aussi. Effé, tu m'as effrayé. Ah, arrête avec tes français compliqués là. Je t'ai démarré, t'es devenu un groupe électrogène. Effé, s'il te plaît, pars. J'ai pas le temps pour toi. Je n'ai pas de montre, non? Comment tu me parles de temps? Regarde, mademoiselle Rose. Et depuis que patron est de retour du travail, il crie. Je me suis dit de... et venir savoir ce qui s'est passé. Essaie un peu de me dire, quelqu'un est-il mort? Dis-moi. Ha! Si je te dis ça, c'est parce que depuis que le patron est de retour, il ne fait que crier. Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que quelqu'un est mort? Essaie un peu de me dire, depuis qu'il était de retour. Bien. Tu sais, je peux te dire ceci, hein? N'ose pas le dire à quelqu'un d'autre. Ah, je ne dirai à personne, non? C'est comme si
Oga a découvert qu'on le trompe. Hey! Hey! Effie, la ferme. C'est quoi ça avec toi? Tricher? Tu vois? Je le savais. Je l'avais dit. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Veux-tu me mettre dans le trouble? Je l'avais dit. Tu vois? J'avais dit que j'ai des caméras cachées ici. J'ai des caméras cachées ici partout. Je savais tout ça depuis longtemps. À chaque fois que je la vois là-bas, elle appelle. Pas une seule personne. Pas deux, pas trois. Moi, je ne voulais pas dire au patron. J'avais peur. Mais tu sais, cette fille-là aime beaucoup notre patron. Patron était bon homme. Chut! Effie, la ferme, la ferme. À qui vas-tu dire ça? Vais-tu me mettre dans le trouble? Hein? Tu vois, hein, ce qui vient de se passer là. Ce qui vient de se passer là. Regarde, moi je ne voulais pas... Effie, s'il te plaît, je t'en prie. En tout cas, je ne t'ai rien dit, oh mon cher. Tu ne m'as rien dit, oh. Je ne t'ai rien dit, oh Effie. Hein, tu ne m'as rien dit. Mais ce que tu viens de me dire là, hein, que je pleure pour mon patron, que je pleure pour mon patron, je dois pleurer pour mon patron. Ah, mon patron, je dois pleurer pour mon patron. Pourquoi cette fille a fait ça à mon patron? Pourquoi? Elle est méchante. Non, je dois réduire la voix. Oh. Je dois pleurer en bas. Maintenant, je dois démarrer. Oh, patron! Patron, tu vois, je pleure pour toi. Je suis en train de pleurer pour toi. Oh, mon patron, je suis en train de pleurer. Tricher, c'est pas bien. Tricher, c'est pas permis dans l'amour. Tricher, c'est pas bien dans l'amour. Ah, mon patron, t'es en train de souffrir. Ce n'est pas la première fois que nous faisons du business, boss. Chief, vous savez très bien que je suis le meilleur vendeur de terre dans ce village. Vous le savez. Alors vous et vos clients, vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit, ok? Chief, laissez-moi un peu vous choquer. Il y a une toute petite partie de terre. Une petite... Au fait, les gens même que vos clients sont en train de chercher. Oui, juste une petite commission et je le ferai rapidement. Et comme ça, on pourra les avoir toutes. Oh oui, oui, Chief. Bien sûr, je garde contact avec vous. Chief, vous savez que je ne blague pas avec mon boulot. D'accord, Chief. Mes salutations à toute la famille. Ok. Mouna. Akachi. Comment vas-tu? Bien, merci. Et comment va la famille? Tout le monde va bien. Et toi, comment? Je vais bien, merci beaucoup. J'étais au fait à l'intérieur en train de préparer juste avant qu'on m'appelle. Alors, attends-moi juste une minute. Attends, je vais voir ce que tu prépares. D'accord, allons à l'intérieur alors. Va-t'en! Je t'en prie! N'y pense même pas! Je suis désolée, bébé! Ne m'appelle pas bébé!
écoute-moi. Je n'aimerais plus te voir ici ou dans mon bureau. Tu m'entends? Si je te vois tout autour de moi, je vais te tuer. Non, tu m'entends? Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Écoute, je risque de te gifler. Je vais te donner une gifle de 5 kilos. Effet. Je t'aime, bébé. Effet. Patron, que ce ta mot te tue. Que ce ta mot te tue. Sors-la de cet endroit. Celle-ci. Que la mot te tue. Que la mot te tue. Sors-la d'ici. Dépêchez-vous, non. Levez-vous vite. Allez, lève-toi. Lève-toi. Sors d'ici. Lève-toi. Sors d'ici. Je t'aime. Non. Allez, va-t'en. Tout mon cœur, c'est vrai. Arrête. Que bébé te tue. Que l'amour te brûle. Pitié, chérie. Que l'amour te tue. Allez. Ah, je t'en prie, arrête. Sale pétasse. Arrête, s'il te plaît. Pitié, chérie. Chut. Et toi, viens ici. Viens vite. Ah. Verrouille-le. Si tu détruis mon portail, hein, je te montrerai de quel bois je m'échauffe, idiote. Allez, viens ici. Et toi, je n'aimerais plus la voir tout autour ou dans cette maison. Celle-ci, tu m'entends, patron. Si je la vois encore ici, je vais te tuer. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais te tuer, monsieur. Eh non, non, tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Disparais. Oui, monsieur. Merci beaucoup d'être venu. Vraiment, je suis sincèrement content. N'es-tu pas content? Je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce que tu te presses de partir. Je crois que tu devrais rester pour manger la nourriture que tu avais d'ailleurs insisté de préparer. Akachi, t'inquiète. Hein? Je mangerai un autre jour. C'est bon? Oui. Je vais te dire merci pour tout ce que tu as fait pour ma famille. Merci pour avoir donné de l'argent à maman pour payer ma ziébé. Et merci aussi pour l'avoir aidé à réparer son tuk-tuk. Tu es vraiment l'envoyé de Dieu pour nous. Merci beaucoup. Mouna, c'est bon, je t'ai entendu. Arrête un peu avec tes... Merci. Mouna, je crois vraiment que Dieu va nous donner de l'argent pour nous assister les uns les autres quand nous en avons besoin. Oui, tu as raison. J'ai prié Dieu que nous soyons à même de le faire pour toi plus tard. Ça ne sera pas nécessaire. Mouna. Oui. J'aime très sincèrement ta sœur. J'aime Ada plus que tout au monde. J'ai juste... Je ne sais vraiment pas comment commencer ou quoi dire. J'espère juste qu'elle pourra le réaliser un jour et nous donner une chance, ok? Du plus profond de mon cœur, je l'aime. Écoute Mouna, je te promets. Enfin, je te promets à toi, ici et maintenant, ok? Je ne ferai jamais quoi que ce soit pour blesser ta sœur. Je ne ferai jamais quoi que ce soit pour blesser Ada. Je la rendrai la femme la plus heureuse au monde, je te le promets. Akachi, pas besoin de dire tout ça, hein. Je sais, je connais tout ça. Je sais que tu es une bonne personne, tu as un cœur sincère. Je sais que tu aimes beaucoup ma sœur. T'inquiète, tu es mon amie. Je t'aiderai à parler avec elle. Oui. Merci, je suis vraiment reconnaissant. Merci. Ok, d'accord. Merci beaucoup, ok? De rien. Je vais t'accompagner. Allez, allons-y. Le Seigneur a été merveilleux pour moi. Oh. Enfin, maman. Elle s'est fait beaucoup d'argent aujourd'hui. Hey! Come and see what the Lord has done for me. Come and see. Hey! Aujourd'hui, j'ai bien travaillé. Et je demande au Seigneur que tout le jour soit ainsi. Au nom de Jésus, amen. Kamaka. Come and see what the Lord has done for me.
Où est cette fille? Ada, Ada! Ada, Ada! Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mouna! Maman! Qu'est-ce que tu attends? Les riz n'est pas toujours prêt? C'est presque. Tu as presque fini. Mmh. C'est bon, fais vite. Assez d'argent pour la viande. Aujourd'hui, il y aura de la viande et du poisson. Et les riz. Et tout cela en même temps. Seigneur bénisse et réponds notre Jésus. Amen. Amen. Mouna, Mouna. Maman, c'est pas Mouna, maman. C'est Ada. Non. C'est moi qui ai cuisiné. Oh, chia. Oh, chia. Oh, chia. Tu n'as pas cuisiné, tu n'as fait que l'assister. Mm-hmm. Je voyais tout. Tu n'as pas préparé. Maman, c'est moi qui lui ai tout appris. Demande-moi. Mouna, Mouna. Ma fille, je te félicite. Ada, ma chérie, je sais que tu cuisines bien. Nous avons fait par comme Mouna. Elle t'a dépassée. Et là, d'ailleurs. Bonjour, maman. Ah, ah. Akat. Maman, je ne faisais que passer par là et j'ai juste entendu vos voix. On était en train de passer du bon moment. Et c'est là grâce à toi. Bienvenue, mon fils. Merci, merci infiniment, maman. D'accord. Ça va, maman. Ça va. Bienvenue, mon fils. Merci, allez, maman. Prends la cuillère, viens manger avec nous. Mange avec nous. Maman, je vais bien. J'ai déjà mangé quelque chose. Je suis vraiment rassasié. Comment ça, ça va? Allez, viens, viens manger avec nous, tu vas te régaler. C'est Mouna qui a fait la cuisine. Maman, s'il te plaît, Nesson, es-tu sérieuse? Es-tu vraiment sérieuse? Il vient de dire qu'il n'a pas faim. Tu veux forcer un grand monsieur comme ça de manger? Yagbaeni, je le ferai si je le veux. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Attends, tu t'occupes pas de lui, viens manger. Viens manger, ne les suis pas. Ça va aller. Je suis content que tu aies fait ce qui était juste, frère. Oui. Tu sais, on ne devrait pas croire aux femmes. Pas toutes. Pas toutes les femmes. Car je sais que ma mère était la meilleure des choses qui soit arrivée à mon père avant leur mariage. Que son humble âme repose en paix. Amen. Mais je doute qu'il y ait encore des femmes vertueuses comme elle. Il y en a. Oui, il y en a. Juste que je n'ai pas eu la chance. Tu sais... laisse-moi te demander, mon ami. Ne penses-tu pas qu'il est temps pour toi d'entreprendre une vraie relation amoureuse ou carrément te marier? Cela ne veut pas dire que toutes les femmes sont mauvaises. Ou que tu dois les haïr. Écoute, si nous n'étions pas d'amis d'enfance, j'aurais dit peut-être que tu y es gay. Tu sais, des fois, je me demande vraiment si quelque chose ne va pas avec ta tête. Sérieux, quelque chose ne va pas avec ta tête. Je t'ai eu sur ce coup. Tu te permets même de me conseiller. Tu sors à peine d'une prison de cœur brisé. Te voilà en train de me donner des conseils. Que cela marche avec toi d'abord. Quoi qu'il en soit, l'amour reste toujours merveilleux. Dis-moi, quels sont les nouveaux projets? Parlons un peu des choses importantes et non de ces n'importe quoi là. Toi vraiment. De toute façon, les choses évoluent maintenant. Oh, vraiment? Exact. Et j'irai pour la supervision, je crois, le mois prochain. Oh, vraiment? Ouais. Et à vrai dire, j'aimerais construire une usine là-bas qui pourra être près des gens. Et comme ça, je pourrais leur donner de l'emploi. Waouh! C'est une brillante idée, là. Je ne te le fais pas dire. Maintenant, tu parles le même langage que moi. Le business et l'argent. Et non, ces filles qui font de la merde par-ci et par-là. Je suis très content pour toi, mec. Merci, frangin. Alors, quels sont les nouveaux plans maintenant?
Maman? Mon fils, tu veux partir? Oui, oui, c'est ça, mais maman. C'est bien. Mon fils, je te remercie. Je ne saurais te remercier assez pour tout le bienfait que tu as fait pour cette famille. Mais que mon Dieu, que le bon Dieu te bénisse abondamment, mon fils. Amen. Tu ne connaîtras pas la sécheresse. Amen. Et tout ce que ta main touchera sera béni au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Merci. Merci beaucoup, maman. Je vous suis vraiment très reconnaissant. Bon. Maman, oui. Je fais quelque part. C'est bien. Maman, oui. Je viendrai de temps en temps pour voir comment vous allez. Ce serait une bonne chose. Oui, non. N'est-ce pas que tu le fais déjà? C'est d'accord. Bon, mon fils. Prends soin de toi. D'accord, okay? Maman. Prends soin de toi aussi, oh. Allez, fais bonne route. Merci hein? beaucoup, maman. T'inquiète. J'en ai sûr. T'inquiète. Elle est ma sœur. Je sais que tu l'aimes. Je t'aiderai à parler avec elle. Ne penses-tu pas que Akatsi fait tout ça juste parce qu'il t'aime? Pourquoi tu ne lui donnes pas une chance? Oui. Il utilise son argent en échange de la commodité, n'est-ce pas? Grande sœur, c'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu penses. Akatsi, c'est un bon homme. Il fait tout ça juste par gentillesse et par preuve d'amour qu'il a pour toi. Ce n'est pas pour corrompre ta morale. Mouna, ma petite sœur, j'aimerais que tu essaies de regarder cela sous un autre angle. Et si alors Akatsi faisait tout cela juste pour m'avoir dans son lit? Tu connais les hommes. Ils peuvent aller très loin juste pour obtenir ce qu'ils veulent. Et surtout si cette fille a des gros popotins, des postérieurs bien chargés. Ils feront n'importe quoi. Utiliseront toutes les tactiques, gravir n'importe quelle montagne, voire même nier leurs parents s'il le faut juste pour la voir. Tu comprends maintenant? Ah, grande sœur, toi aussi. Akatsi n'est pas le genre de ces hommes. Akatsi, c'est un bon homme. Je te dis vrai, ce n'est pas que je te force. Donne-lui juste une chance. Je ne saurais te forcer quoi que ce soit. Je te dis ça juste parce qu'Akatsi est mon ami. Et je le connais assez. Offre-lui un peu d'espace. Je ne te force pas la main parce que tu as ta vie à vivre. Maman l'apprécie. Il fera un bon homme pour toi, grande sœur. Arrête de faire passer ta chance. Arrête d'être carré avec tout ce que tu es en train de raconter là. Voyez-moi cette fille. Un instant. Akatsi l'a montée contre moi? Mais voyez comment elle me parle avec toute autorité. Ada? Désolée pour tout. Désolée de t'avoir fait traîner. Ça va aller. Je ne m'en plains pas du tout, Ada. Akatsi, tu sais, tu es une bonne personne. Merci beaucoup, Ada. Tu mérites une femme qui t'aime. Ça, ce n'est pas moi. Je ne suis pas une personne difficile. C'est juste que je ne t'apprécie pas. Je ne t'aime pas. Je ne ressens rien pour toi. J'ai essayé de fouiller dans mon cœur, il n'y a rien. Je ne ressens rien. Je t'apprécie en tant que personne. Là, c'est vrai. Mais pas l'amour. J'apprécie beaucoup tout ce que tu fais pour ma famille et moi. Mais si ton intention était de m'acheter avec ces histoires, désolé, ça ne va pas marcher. Tu dois me laisser partir. Ok. C'est pour ça que je t'ai fait appel. Passe une belle journée. Ada. Thank you.
Hey, où est ma fille? Où est-elle? Chenekema, mes enfants, vous vous rappelez de ce dont je vous avais parlé? Je vous en prie, une fois que vous serez à l'université, je vous en prie, soyez sérieuse avec les études. Oui, maman. Le fille, qu'est-ce que je viens de dire? Soyons sérieuses avec vos études et nos études. Oui, vous avez entendu? C'est ça. Je vous en prie, le fille, une fois là-bas, ne blaguez pas avec les études. Quant à votre mère, elle fera sa part. Oui, je vais continuer à prier pour vous. Et les tuk-tuk, je vais me rassurer de toujours me faire de l'argent avec. Maman. Afin de gagner un peu d'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Mes enfants, mon Dieu, le Très-Haut va continuer de vous protéger et de veiller sur vous tout le jour. Amen. 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 Ok, demande de pécher, maman. Si on t'arrête pour ta prière là, tu risques de nous retenir ici. Et elle va oublier les sourcils. Prends. Maman, tout ça pour moi. Oui. Merci. Aka, tu m'avais demandé de remettre ça. Aka quoi? Tu. Maman, mais pourquoi m'as-tu donné son argent? Tu as pris? Allez, remets vite cet argent. Maman, reprends cet argent, je n'en vais pas. Pourquoi m'as-tu donné son argent? S'il te plaît. C'est pas grave, ma fille, je vais le garder pour toi. Je n'en vais pas. Hé, hey, Ada. Maman, t'inquiète, je vais le garder. Garde-le bien. Fais-moi confiance. Je te crois. Maman, bye. Je vous en prie, les filles, prenez soin de vous. Ok. Vérifiez bien les taxis avant de monter. Où? Ne montez pas dans n'importe quel taxi. Oui, je l'ai vu, mais tu vois, je ne l'ai pas encore parcouru. Laisse-moi le faire et à la fin de la journée, je vais te rappeler. Ok, très bien. Ok, merci. Ça dit quoi? Oh mec, comment tu vas? Quoi de neuf? Je vais bien. Au fait, je me dirigeais vers le bureau et je me suis dit de passer te voir. Très bien, très bien. Tu vois, j'allais même t'appeler. Oui, j'ai reçu un coup de fil de du chantier qui se trouve à Oumounede. Waouh. Ouais. Tu vois, c'est en rapport avec le produit. Oui, ok. Je pense que j'irai là-bas au week-end. Ok, bien, bien. J'ai déjà négocié avec la compagnie de plastique qui vont nous fournir des plastiques pour notre production d'huile. Waouh. Crois-moi, j'ai vraiment fait de mon mieux. Waouh. Oui. Deux valent mieux qu'un mec. Ouais. Deux bons œufs. Oui, deux bons œufs. Deux bonnes personnes, mec. Tu es terrible, toi, mec. Tu n'es pas sérieux. En tout cas, tu n'es pas sérieux. En passant, avant que tu n'entres, je t'ai déjà pris à aller manger quelque chose. Est-ce que tu viens avec moi? Ne me le demande pas deux fois, mec. Allez, allons manger. Oh, ok, attends un peu. Est-ce qu'un jour, tu pourras aussi dire non pour la nourriture? Non, mais sérieux. Parce que tu aimes beaucoup manger. Bien sûr que oui. Allons manger. Écoute, mon ami. Ne me suis surtout pas, ok? Alors, allons-y seulement. J'ai tellement J'espère qu'il y aura de la bonne bouffe. J'espère bien. Maman, hein? Comment te sens-tu aujourd'hui? Je ne sais pas. Et je ne sais comment le dire. Je t'en prie, mon fils. Aide-moi à appeler mes filles. J'ai besoin de les voir. Ada et Mona, appelle-le, s'il te plaît. Je crois que j'irai au village voir maman. Elle m'avait l'air très malade au téléphone. J'aimerais aller avec toi. Non. Tu ne peux pas venir avec moi. Tu as examen toute cette semaine. Et tu ne peux rater aucun. Oui, c'est vrai. Le deuxième semestre. Tu as raison. S'il te plaît, prends soin d'elle. Mes salutations à tout le monde et à mon futur beau-frère Akati. Aka quoi? Si. Tu sais quoi, Mona? Je crois vraiment qu'il est temps pour moi de commencer à te frapper sérieusement, surtout quand tu racontes des bêtises.
Voyez-moi celle-là. Madame Akachi. C'est son argent qui nous a aidé à faire la soupe. Déjà pour 2 jours. Quoi? Mmh. C'est parce que je ne t'ai pas dit que c'est lui qui nous a donné l'argent qui nous a fait arriver jusqu'ici. Mmh. Et pour toi, ça fait de lui mon mari. Oui, non, il est un bon homme. Tu sais quoi? Tu es une chèvre. Oui. La salutation de tous les temps. En tout cas, je ne sais quoi te dire. Tu es une folle. Mon Dieu, s'il te plaît. Salut. Salut. Bonne journée. S'il vous plaît, je pars à Oumounede. Je cherche la route, mais on m'a dit de suivre la route qui est en construction jusqu'à arriver à la route principale. Monsieur, vous avez pris le mauvais chemin. Vous devez faire un demi-tour. Vous voyez l'intersection que vous avez dépassée à quelques mètres, là où il y a 4 chemins. Oh oui, okay. Oui. Voilà, prenez juste la route qui est à votre droite. Et tout droit, vous verrez Oumounede, c'est le village voisin. Oh, merci beaucoup, merci oui. Beaucoup. Merci beaucoup. Attendez un peu, laissez-moi vous trouver quelque chose pour le transport. Hein? Oh non, ne vous dérangez pas monsieur, ça va. Okay, je suis à quelques pas de la maison. Merci, ok, monsieur. Merci beaucoup vraiment. Maman, j'arrive. C'est Rada. C'est bon, je suis là. Maman. Ah ah. Dieu merci, tu es de retour. Ah ah. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Elle est malade depuis une semaine, maman. Semaine? Je sais. Hé, elle a une forte fièvre. Grande sœur, on doit l'emmener à l'hôpital. L'hôpital? Je n'ai pas d'argent pour l'emmener à l'hôpital. Et tu le sais bien. Tu sais quoi? Je peux avoir le pharmacien si je peux trouver un produit pour elle. C'est bien alors. Maman, tu es une femme battante. Rien ne va t'arriver. Tout va bien se passer. Je reviens. Je ne traîne pas, ok? Sœur, dépêche-toi. S'il te plaît, prends soin d'elle. Je reviens. Maman, grande sœur arrive. Elle est partie chercher des médicaments. Tiens bon. Ada? Tu es revenue? Akachi, bonjour. Bonjour, ma chère. Quand est-ce que tu es revenue? Tu ne m'as même pas informé que tu revenais. J'aurais quand même... T'informer que je revenais? Donc, avant de rentrer chez moi, je dois te tenir informée. Attends, Keki. Hein?
Hey Ada, Ada, calme-toi un peu, ok? Ce que je voulais dire est que... juste m'informer que tu revenais, peut-être que j'aurais... Au fait, je t'aurais préparé quelque chose. S'il te plaît, j'ai pas le temps pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter toute cette haine? Mon pote, comment tu vas? Toutes choses évoluent très bien. Ils sont impatients de commencer. Oui, j'ai déjà chargé quelqu'un pour la mobilisation. Mec, j'étais en train de me reposer dans la voiture. Mais je vais juste... chercher un hôtel où je pourrais bien dormir. Ouais, d'accord. Mais oui, je vais t'appeler. Mais avant ça, j'aimerais contrôler les travaux qui s'effectuent dans le chantier. Ouais, j'y suis maintenant. Ouais, j'aimerais contrôler ce qui se passe ici. Ouais. C'est bon, je vais t'appeler. Bien, prends soin de toi. Regarde-moi ça. Les gros derrière comme ça. Oh, oh. C'est une belle taille. Une très belle taille, oh. Regarde les derrière. Hey, c'est trop gros. Tchaï. Ah, mon Dieu, pourquoi je n'ai pas d'argent, oh. J'allais commencer à les appeler. Celle qui est jolie ici, c'est celle que j'allais choisir. Et si tu n'as pas de matière, je n'ai pas affaire avec toi. Moi, je ne vais chercher que celles-là qui ont des matos. Des grands matos là. Pour bien démarrer. Hein? Regarde ces derrière. Ce genre de derrière, hein? C'est seulement en Afrique. Chez les Blancs, c'est vraiment trop rare. Hein? Hein? Hey! L'argent, pourquoi tu me fais ça?
si j'avais l'argent, j'allais avoir beaucoup de femmes. Par jour, j'allais au moins avoir une, deux, trois. J'allais satisfaire mon corps, j'allais bien les satisfaire. Moi, dans ma vie, j'ai besoin de ça. J'en ai vraiment besoin. Effet. Donc c'est pour ça que je me demandais de garder ta nourriture là-bas, hein? Pour que tu regardes toutes ces bêtises. Effet. Je ne regarde pas des bêtises, oh, c'est intéressant. Je vais t'expliquer. Tu vois, lorsque j'ai ouvert le téléphone, hein, je voulais regarder les infos pour savoir ce qui est en train de se passer dans notre pays. Quand j'ai ouvert le téléphone, c'est maintenant là que j'ai vu les photos des filles. Alors je voulais savoir si ce sont les vrais ou les faux derrière. Ce n'est pas moi qui ai mis ça là-bas. Ferme ta bouche. Est-ce ton problème? Même si c'est le vrai ou le faux derrière, est-ce ton problème? Et fais-moi le téléphone. Je n'ai plus confiance en toi. Attends d'abord. Tu laisses ta nourriture venir regarder des choses insensées qui ne vont même pas t'aider à faire mieux dans la vie. Mademoiselle Rose, je dois te dire quelque chose. Donne-moi ce téléphone. Attends d'abord, s'il te plaît. Donne-moi le téléphone. Attends, je vais te donner. Attends. Hein? Attends. Donne-moi d'abord le téléphone. Non. Donne-moi le téléphone. J'ai mes amis sur Facebook qui sont en train de m'écrire. Je dois leur répondre, non? Si maintenant tu voyais mes messages sur Facebook, beaucoup de gens m'écrivent, oh, je suis trop célèbre. Ah, il faut arrêter ça. Je ne vais pas te donner. Effet, donne-moi le téléphone. Attends. Donne-moi le téléphone vite. Effet. Ok, tu penses que je ne pourrais pas le prendre là-bas, hein? Tu me touches. Ok, Effet, donne le téléphone. Effet, arrête. Effet, donne le téléphone vite. Donne-moi. Oh mon Dieu. Que faire exactement pour faire comprendre à Ada combien je l'aime? Que vais-je faire? Je sais que les bonnes choses ne viennent pas facilement. Je crois que je dois un peu pousser le bouchon. Parce que les lâches ne gagne pas. Et les gagnants ne lâchent pas. Grande sœur, on doit amener maman à l'hôpital. Et je n'ai aucun sou avec moi. On ne peut pas la regarder mourir comme ça.
J'ai besoin de temps pour réfléchir. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Ma mère. Mon âme, ma sœur. Dieu merci, un bon samaritain était apparu et il a aidé maman. Sinon, maman serait morte en ce moment. Jamais de la vie aussi, ma sœur. Non. En ce moment, je pars à la maison lui faire à manger. Ada? Mounachi? Ada? Ada? CJ est avec lui à l'hôpital. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de faire ça. Dans 3 jours, elle va sortir de l'hôpital. Mona, je t'appelle plus tard. Les bons samaritains que je suis en train de m'appeler. Allez, dégage-toi aussi. Bye. Allô, monsieur. Non, vous savez, je viens juste de quitter l'hôpital. Je rentre rapidement à la maison faire à manger. Oui, je suis tout près de la maison. Ok, c'est bon, tu me verras. C'est bon. Mon fils. Maman. Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi et pour ma famille. Que Dieu te bénisse. Maman, que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Je suis content que vous soyez en vie et que vous repreniez la forme. Merci. Je vous prie de me pardonner pour n'être pas venu vous voir. C'est juste à cause de un grand projet que j'ai en main. Oh. Oui, j'essaie de fixer quelques rendez-vous, des réunions avec les gens avec qui on doit travailler. J'en suis désolé. Mon fils, tu n'as pas besoin de t'excuser. C'était pour une bonne cause. Hein?
Mon fils, c'est pas mauvais. Maman, ça va. Je dois m'en aller maintenant. J'ai une réunion importante dans 30 minutes. Homme d'affaires. maman? Je m'en vais, mais... utilisez cette petite somme pour prendre soin de vous. S'il vous plaît. Oui, juste prenez ça. Hey. Ce n'est pas aussi grave que ça. Chai, fils. Tu vas te bénir. Amen. Merci. Tu vas continuer de te bénir. Amen. Après tout ce que tu as fait pour moi, tu as sauvé ma vie en payant ma facture à l'hôpital. Tu me remets encore tout cet argent? Maman, ce n'est rien du tout. Juste soyez en bonne santé et soyez forte. C'est tout. Que Dieu te bénisse. C'est bon. C'est bon. Merci. Je dois m'en aller maintenant. Maman, je pars l'accompagner à la voiture. D'accord. Prenez soin de vous, hein, maman. Merci beaucoup, mon fils. Ok, très bien. Ijob. Maman. Adane. Adaneya. Je peux voir qu'il te plaît. Ok. J'aime ça. Mais tu sais quoi? Ne t'offre pas à lui. Permets aux choses d'aller comme telles. Laisse la nature prendre les dessus sur tout. Laisse-le faire la chasse. C'est à la fin de la chasse qu'il aura son gibier. Merci.
Merci, maman. Je t'en prie. Je suis contente pour toi. Il t'a remis tout ça? Oui. On n'est pas encore arrivé. Oh, nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Qu'est-ce que je continue d'avancer? Non, 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 n'avance plus. Attends. Maintenant, tu peux ouvrir tes yeux. Oh mon Dieu! C'est très beau! Ouais! Oh. C'est mon. C'est mon inspiration sur les rendez-vous. Honnêtement, avant, je n'avais jamais connu ce genre de relation. Ah ouais, tu vois? J'ai découvert cet endroit quand j'ai faisais des balades et tout. Mmh. Et donc, je viens souvent ici pour me détendre, rester tranquille, penser et être en contact avec la nature. Alors, je l'ai surnommé mon meilleur endroit. C'est un très bel endroit, oui. Alors, s'il te plaît, rejoins-moi à mon meilleur endroit. Je ne saurais attendre. Que notre aventure commence immédiatement. Ça y est. Écoute, il y a une façon que je m'assoie à mon meilleur endroit. D'accord. Alors regarde. Regarde. Attends que j'essaie moi aussi. Ok, essaye. Essaye. Je n'y arrive pas. C'est bon, allez, mangeons. Je prends d'abord voilà. Ça. Voilà. Tu veux commencer par là ou par ça? Ça a sauté. Je suis désolé. Vraiment désolé. Trinquons pour des bonnes choses oui, à venir. Pour l'amour. Mais tu ne l'as pas fait pour moi. J'ai oublié. Ne vas-tu pas manger? Ça. Bébé, je te remercie beaucoup d'être venu dans ma vie. Je suis très heureux. Tu vois, tu m'as donné une raison de vivre et d'aimer encore. En fait, tu vois, je ne savais pas que je tomberais amoureux si vite. Tu m'as fait tomber amoureux de toi très vite.
Je t'aime, ma chérie. Je t'aime, Ada. Je t'aime. Tu es tout ce que j'ai toujours rêvé. Tout ce que j'ai toujours voulu. Je ne t'aime pas seulement par rapport à ton statut, mais je t'aime parce que tu as un bon cœur. Ok. Tu vois, parfois Dieu est juste... Il fait des choses mystérieuses. Tu sais, je crois que c'était la volonté de Dieu que je ne retrouve pas mon chemin. Mon chemin. Tu vois, j'ai suivi un mauvais chemin. Juste pour rencontrer un bon amour. Et je pense que c'est la volonté du Dieu Tout-Puissant. Ada, merci beaucoup. Merci d'être venue dans ma vie. Je t'aime tellement et je promets de ne jamais te quitter. Je ne sais quoi dire. Je t'aime. Là-bas. Ça va sortir. Ça va sortir. Sans une femme, c'est quoi ton problème, hein? Es-tu sûr que tu n'as pas une femme spirituelle, hein? Une femme spirituelle, tu dis? C'est bien, non? C'est mieux. Même si c'est une femme spirituelle, c'est bien. Je suis juste à la recherche d'un endroit où introduire ma moto. Je dois parquer ma moto quelque part. Oh. Pourquoi tu m'as réveillé? Ça voulait sortir et toi tu m'as réveillé. Maintenant, je comprends que ta tête ne marche pas bien. Viens m'aider là-bas dans la cuisine, vite. Tu es là seulement pour tourmenter les gens. Tu es contre le bonheur des autres. Regarde comment tu veux dégager ma journée. Lève-toi vite, viens m'aider. Ah, c'est quoi ça? Si je le fais, est-ce que tu vas me donner? Tu ne m'as jamais donné, toi. Tu m'as toujours fermé tes jambes là. Et regarde comment tu veux dégager mon sommeil. J'étais sur le point de faire sortir. Quelqu'un est en train de vivre bien, bien sa vie. Et toi, tu es venu là seulement pour tout gâcher, tout gâcher. Ne le répète plus, hein. La prochaine fois, je vais te maudire. Je vais te maudire. Ok, je te dépose à la maison. Non, te dérange pas. J'insiste. Non, je dois acheter le pain là-bas pour ma mère. Es-tu sûr que ça ira? Ça va. Bien. Prends soin de toi. Et toi aussi. Bye. Prends soin. Au revoir. Au revoir. Une chose de plus, une chose de plus. Quoi? Je t'avais apporté ça. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Regarde. Téléphone? Hey, c'est très beau. C'est un gros téléphone. C'est pas n'importe quel téléphone, c'est ma fille. Ça, maman. Je suis une grande fille maintenant. Tu es une grande fille. Donne-moi 5. C'est bien. Ça doit sûrement être hors de prix. Hey, que Dieu continue de bénir Jidéna. Amen. Que Dieu veille sur lui. Amen. Que Dieu le bénisse abondamment jusqu'à sa 4e génération. Amen. Ses poches ne seront jamais vides au nom de Jésus. Amen. Hey, Chimo Kike. Pharmacy. What the Lord has done for me. Ce qu'il a fait pour moi, pour toi. Maman, il l'a fait pour moi. C'est pas grave, c'est à nous. Sois béni. Ça va, maman. Ada, maman. Maman.
N'oublie pas de m'appeler une fois que tu seras arrivée. Je le ferai. Et passe mes salutations à ta petite sœur. Je le ferai. D'accord. CJ, grande sœur, mon cousin adoré, et Zibo Amadou, merci pour tout ce que tu as fait. Hein? S'il te plaît, continue à prendre soin de maman. Ok. Je le ferai. Maman, laisse-moi la déposer au parc. D'accord, c'est bon. C'est merci. Bon? Merci, et Zibo Amadou. Merci. Prends soin de toi, maman, je t'en prie. Je le ferai, ma fille. Bon voyage. Ijo Amao. Ça ne passe toujours pas. D'accord. Vous devez aller dormir maintenant. Il s'est fait déjà tard. Comment pourrais-je dormir? Je ne saurais pas dormir. La dernière fois que j'ai parlé avec elle, c'était quand elle m'avait appelé pour me dire que leur voiture était sur le point de quitter le parking. Et brusquement, son téléphone ne passe plus. Jusqu'aujourd'hui, est-ce que quelque chose lui serait arrivé ou quoi? Je ne sais pas. Mais vous avez besoin du repos. Et pensez à une autre alternative qui pourrait bien vous aider. S'il vous plaît. Est-ce qu'elle serait peut-être en train de me tromper? Ou qu'elle m'a largué? Elle ne m'a jamais aimé. Mais nous avons fait tout ensemble, à part le sexe. Adam, j'espère que ce n'est pas vrai. Ne perdez pas espoir. Ça ira un jour. Là, je pense que j'ai pris ma dose. Et que je devrais juste arrêter de tomber amoureux. S'il vous plaît, allez dormir. Je n'arrive pas à dormir. Écoute, Judenna. Ce voyage est bien plus important que toute chose. Ça fait 2 ans maintenant que tu es en train de faire de tout ton possible pour maintenir le partenariat. Et là, c'est parfait. Nous sommes prêts à signer avec la banque pour des milliards de naira. Et faire connaître le nom de notre entreprise sur la liste des meilleures entreprises jamais vues au monde. Mais malheureusement, tout ce à quoi tu penses, ce n'est qu'aux femmes. Judenna, même tes parents, que tu as toujours tant chéri, diront même du mal de toi dans leur tombe si tu rates cette occasion. Tu ne peux laisser cela arriver. Je t'en prie. Ok, d'accord, je vais t'aider à la chercher. Mais tu dois voyager demain.
Jide ne doit sûrement en ce moment s'inquiéter pour moi. Je suis impatiente de causer avec lui. Je lui raconterai tout ce qui m'était arrivé. Maintenant que j'ai repris mes habitudes, la première des choses que je ferai demain, c'est d'aller trouver une carte ici et attendre son appel. Tu me manques beaucoup, Jidema. Je t'aime. Patron! Hey, mon patron est là! Hey! Hein? Hey! Ça, c'est ce qu'on appelle liberté, 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 liberté. Je dois célébrer cette liberté, hein? La liberté, Mandela! Nous sommes en train de célébrer la liberté. Célébrons maintenant la liberté. La liberté à gauche, la liberté à droite, la liberté devant, la liberté derrière, et la liberté partout. Hey! C'est comme si la liberté aussi dehors, hein? Partout la liberté, même dans le sommeil, hein? Il y a la Effet. Liberté. Yo. La liberté. Pourquoi est-ce que tu fais marchant. Ça? Liberté, 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 liberté. Si je vois une fille ici, tu verras ce que je vais te faire. Ah! Regardez-moi celle-ci, oh. C'est à moi que tu parles comme ça. Hein? Pourquoi es-tu jalouse comme ça, oh? Dis-moi, jalouse, elle fait semblant. Toi, tu n'as pas de petite amie. L'un d'eux finira par venir ici un jour, on verra. Tu penses que je ne connais pas? Je connais tout, oh. Écoute, tout ce que tu fais en cachette là, un jour ça finira par sortir. Tout le monde saura ce que tu as toujours fait. Que j'essaie de parler. Pourquoi ne pas me laisser profiter de ma liberté? Hein? C'est une liberté. Il faut en profiter. Liberté. À droite, à droite, à droite. À gauche, devant. Comme ça, on bouge. Pam, pam. Gris, gris. Oui, allô? Service client. Ok, c'est entendu. Foutaise.
Salut, grande sœur. Il n'a pas toujours appelé. T'inquiète, il finira par appeler. Hein? Quand? J'ai essayé d'appeler ces différents numéros, mais aucun ne passe. Je comprends. Le plus important est que tu es maintenant joignable, donc à n'importe quel moment, il va appeler, il va te joindre. Hein? Alors, sois juste relax, arrête de te déranger. T'as fait un truc à manger? Peu importe, j'ai de la bouffe dans mon sac. Oui. Je te dis la vérité. Tu aurais dû être là, ma soeur. Ah ah, c'est l'appel des CJ. Sérieux? Attends, tu verras les images de toi-même. Minute. Ok. Allô? Oui, CJ. Quoi? Mais comment? Ok. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est maman. Quoi? Nous devons partir. Ça ira. Maman est partie. Maman n'est plus. Maman aussi. Hé, hey, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, sois forte. Ça ira, ma chérie. Ça va, ça ira. Arrête de pleurer. Arrête. Elle est partie pour dire, mon Dieu, je ne le verrai plus. Ça suffit, calme-toi, ma chérie, calme-toi. Arrête de pleurer. Ça va. Écoute-moi, ça va. Ça va. Chérie, okay? Arrête de pleurer, s'il te plaît. Tu vas te faire mal. Arrête, s'il te plaît. Arrête de pleurer, ma belle. Sois forte. Ça va aller. Ça va aller, ok? Calme-toi maintenant, mon achi. Allez, doucement. Ça suffit. Maman. Mais je ne rends pas une merde comme toi. Ça va. Ça suffit, ma chérie. Ça va aller. Sois forte. Ça suffit, ma chérie. Maman. Maman. Je suis devenue orpheline. Dieu, aide-moi. Ça suffit. Oui, ça va, ça ira. Maman. Maman. Pour être sincère avec toi, Sarada,
L'amour d'Akati pour toi est vrai. En dépit de ce qui s'est passé entre toi et lui, il n'a pas hésité à revenir pendant ces moments difficiles pour nous soutenir. Dis-moi, où est-ce que nous allions trouver l'argent pour l'enterrement de maman si ce n'était pas lui? Serada, Akati est un bon homme. Il ne mérite pas seulement les appréciations, mais tout ce dont il désire. Il a assez fait preuve de son amour au-delà de tout. Il t'a témoigné de l'amour. Des fois, je souhaite être celui qu'il désire. Je l'accepterai. Je ne le déclinerai pas. L'amour d'Akachi est vrai. Sarada, il n'y a pas d'eux comme lui. Ce n'est pas pour un intérêt quelconque qu'il te suit. C'est pour toi ainsi que pour toute la famille. Akachi, merci beaucoup. Merci. Tu as fait beaucoup pour ma famille. Je suis très reconnaissante. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi, mon Achi. Ce n'est rien. Où est Ada? Elle dort à la maison. Ok. Elle a vraiment besoin de se reposer actuellement. Oui. Je reviendrai pour voir si elle va bien, ok? Pas trop bien. Mais au cas où elle se réveille, dis-lui que j'étais là, ok? Je vais lui montrer tout ce que tu as apporté. Ok, bye. Dieu te bénisse. Hein? Merci. Regarde, c'est Akachi qui te l'a apporté. Grande sœur. Serada. Serada. Je voulais discuter quelque chose avec toi. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Il est vrai, nous avons moins de probabilités de reprendre nos études. Puisque maman n'est plus là pour nous soutenir. On est maintenant sans aide. Ma suggestion est que j'arrête. Comme toi, tu es déjà arrivé à un niveau élevé, moi, je mets d'abord une pause. Je vais me trouver un boulot pour t'assister à finir ta licence. Une fois fini, tu pourras te trouver un boulot et là, je pourrai reprendre les études. Et là, Dieu nous bénira chacune avec un mariage pour être de nouveau heureuse. Non, je ne te laisserai pas faire ça. Je suis ta grande sœur. C'est de ma responsabilité de prendre soin de toi quand maman n'est pas là. Grande sœur, mais... Il n'y a pas de mais. Je vais arrêter. Et tu vas continuer. Grande sœur, c'est toi qui es arrivée à la classe finale. Ce n'est pas un problème. J'avais promis à maman que je prendrais bien soin de toi à son absence. Ça commence aujourd'hui. Je vais accepter la proposition d'Akachi. De cette façon, ça me facilitera la tâche pour payer tes études. Et tout ira. Merci. Merci, grande sœur. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi.
Ada, tu m'as vraiment fait peur. Je me marierai à toi. Qui veut briser mon portail? Qui est en train de troubler ma liberté? C'est qui là même? C'est qui là non? C'est quoi même ça? Ah. Ma femme, ma future petite amie, dis-moi, comment si ça va? Si tu oses encore le redire, je vais te gifler. Attends, non. À chaque fois, tu es toujours en train de m'insulter. Tu ne sais pas que mon corps ressent aussi des choses. Ne te fâche pas. Écoute, regarde, tu sais, écoute. Y a quelque chose qui me dérange tous ces derniers temps. Qu'est-ce que c'est? De te le demander. Tu m'avais dit que le patron fera 3 mois là-bas. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'est toujours pas de retour. Ça me dérange, oh. À chaque fois que je vais te demander, il m'arrive d'oublier. Ça me dérange, franchement. Depuis qu'il était parti, ce n'est pas bien, oh. Je te comprends pas, oh. Si Oga décide d'y rester là-bas un long moment, où est ton problème? Ça te fait mal? N'es-tu pas payé tout le mois? Alors, où est ton problème? Mademoiselle Rose, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Il y a quelque chose qu'on avait parlé avec le patron. On avait discuté. Et il m'avait dit que tu vois cette maison, hein? Regarde bien cette maison. Le patron m'avait dit quelque chose. Il m'avait promis une chose. Le patron m'avait dit que ici, ça sera comme chez moi. Il va d'ailleurs épouser une femme et me la donner. Hein? Et depuis lors, il n'est toujours pas de retour. Mais il n'est toujours pas rentré. Effet. Tu sais que, quelquefois, lorsque je te regarde, j'ai même envie de te gifler. Dans toutes les choses qui sont très importantes, ce qui te préoccupe, c'est de te marier. Mademoiselle Rose, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Écoute, mon problème est que... Mon problème est juste que j'ai aussi besoin de construire ma famille. Je dois aussi me marier. Voilà mon problème. Pas de souci. Je sais comment t'aider. Fous-moi la paix. Mademoiselle Rose, toi, je parle et tu me laisses comme ça. Tu me laisses en train de parler et tu t'en vas. Ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire. Je vais épouser ma chemin, rien ne va se passer. Je vais l'épouser, oh. Je la vois dans mes rêves, je la vois dans mes songes. Hein? Que patron rentre, oh. Que patron rentre. Patron doit rentrer, oh. Oh, je dois pleurer pour mon patron. Il m'avait promis. Il doit rentrer, oh patron, tu dois rentrer. Regarde comment je suis resté, tu dois rentrer. Hé, hey Rose. Oui, chef. S'il te plaît, je peux discuter avec toi. D'accord, chef. Rose, j'aimerais aller chercher Ada dans ce village demain. C'est vrai? Oui. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup pensé à elle quand j'étais aux États-Unis. Je n'avais pas prévu de rester là pendant longtemps. Oui, je sais. D'accord. Je vous souhaite tous les meilleurs. Et je prie que ce voyage soit un voyage de succès et que vos désirs s'accomplissent. Rose, merci beaucoup. Tu as été pour moi une grande sœur que je n'ai jamais eue. Et vous resterez toujours mon frère et mon boss. C'est pas tout le monde qui peut faire ce que vous faites. Juste parce que ma mère avait servi tes parents quand j'étais en vie. Après leur mort, je veux dire, ma mère et vos parents, bien sûr. Vous avez pris ma charge. Vous avez accepté de prendre soin de moi.
vous nous avez envoyé à l'école. Et ça ne s'est pas arrêté là. Vous m'avez engagé et vous me considérez comme votre famille. Je vous dois beaucoup, monsieur. Je crois que c'est moi qui devais vous remercier. Rose, tu es juste la photocopie de ta mère. Très douce, tendre et très hospitalière. Tu sais qu'elle s'est occupée de moi et ne voulait pas que je sois seule. Malgré l'emploi du temps très chargé de mes parents. Que son âme repose en paix. Ok. Merci. Je suis content. C'est très gentil. Tu peux t'en aller maintenant. D'accord, merci.
Hé, tiens. Comment tu vas? Je vais bien. Waouh, regarde-toi. Tu as bonne mine. Merci. Ah, ça fait longtemps. Hein. Ouais. Tu vois, être un homme, il faut se battre, le boulot et tout. Ok, voilà. Je vois. Je suis vraiment désolé pour la mort de maman. Je suis sincèrement navré. S'il te plaît, juste sois fort, ok? Ça va aller, hein? Merci. Nous avons déjà surmonté cela. Sœur Ada est mariée maintenant. Elle reste avec son mari. Mon atu est toujours à l'école et moi, je reste à la cité avec mon oncle. Elle n'est pas loin d'ici, je peux t'amener là-bas. Tu sais, Akachi a toujours aimé ma sœur Ada depuis qu'ils étaient petits. Je suis content qu'ils finissent ensemble. Ok, c'est bon. Laisse-moi te déposer. Oui. Ok, merci. Hein. Ne te laisse pas abattre par cette rupture. Je t'avais laissé faire parce que tu m'avais promis que vous alliez mieux ensemble. Ken, comment pourrais-je le savoir? Comment? Et donc, cela veut dire qu'elle était juste en train de me tromper? Elle avait un petit ami. Et elle ne faisait que me tromper. Pourquoi une fille pareille? Pourquoi? En tout cas, je n'ai pas du tout été chanceux en amour. Pourquoi moi? Pourquoi? Je ne crois pas que je sois en mesure de répondre à cette question. Jidena, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Les filles resteront à jamais des filles. Tu n'en as pas conscience. Je ne cesse de te dire ceci. Ils sont là pour te satisfaire juste pour un moment, et après, elles partent. Il n'y a rien à changer à cela parce que ça n'a vraiment aucun sens. Hey. Oh, salut mon cher. Comment tu vas? Ça va. Ce soir? Ouais, ce soir, ce ne serait pas une mauvaise idée du tout. Ouais, mais tel que tu le vois, je dois quitter le bureau avant Ben. Il y a des sérieux embouteillages dans votre coin là. Ok. Ok alors, je verrai, hein. Prends juste soin de toi. D'accord. Allô, Chimwe, comment tu vas? Dis-moi, où es-tu? Tu es parti? Comment?
Comment tu peux partir sans moi, non? Tu as mon sac et mon argent est dans ce sac. Oui, je t'ai dit que j'allais voir mon oncle, mais je ne l'ai pas trouvé à la maison. Comment tu peux partir sans m'informer maintenant que tu as mon sac et mon argent est dedans? Comment je vais rentrer à la maison? Je n'ai pas aimé ce que tu as fait, ciao. Ce n'est pas ta faute, alors à qui la faute, hein? Tu aurais dû moi m'informer. Comment alors je vais arriver à la maison? J'ai dit aussi que tu as oublié. Tu ne t'es pas rappelé que tu avais mon sac entre tes mains. Comment tu veux faire ça? Maintenant que tu m'as laissé dans l'embarras ici, c'est 20 000 naira. Ça ne suffirait même pas pour payer les transports. Arrête de me dire tout ce que tu dis là. Tu penses que je suis en train de blaguer, hein? Idiote. Comment je vais arriver à la maison maintenant? Comment je vais faire maintenant pour arriver à la maison? Ces peu d'argent que j'ai ici ne suffirait même pas pour payer les transports. Je n'aime pas ça, oh. Que je veux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Faut plus le faire prochainement, hein? Ce n'est pas bien. Je ne saurais même faire le pied puisque je suis tellement fatiguée. Est-ce que ça va? Hein? Je suis vraiment navré, ok? Es-tu sûr que tu vas bien? Parce que je peux t'emmener à l'hôpital. Non, ça va. Où est-ce que tu vas? À l'école? Je peux te déposer où tu voudras. Effie, c'est quoi le problème avec toi? Écoute, tu n'as qu'à remercier ton Dieu, hein? Remercie-le très bien, tu es trop chanceuse. Je t'ai dit, oh, c'est vrai, tu as de la chance, tu as un bon Dieu. Hein, il faut beaucoup prier, il faut les remercier. Tu avais vu cette fille que le patron avait amenée hier la nuit? Est-ce un humain ça? Écoute, je suis en train de suspecter quelque chose. C'est comme si le patron est en train de faire le rituel. Oh. Comment le patron peut prendre une personne comme ça? Cette fille-là ressemble à une folle. Oh. Même moi, ça ne peut pas marcher. Fée, tu n'arrêteras jamais d'être drôle. Qui t'a dit qu'elle est folle? Cette fille-là n'est pas folle. Tu as vu ce qu'elle a porté? Tu sais, mon travail dans cette maison, c'est aussi la sécurité. Avant qu'elle n'attaque, moi je vais d'abord attaquer en premier. Hein? C'est quel genre de personne comme ça, non? Je vais l'attaquer, oh, je vais l'attaquer. Une personne qui s'habille comme ça, nue, à moitié nue, c'est normal. Cette fille est une étudiante. Hein? Et son habillement de ce jour-là était un TP. Étudiante? Hein? Maintenant, le fou se retrouve dans des écoles. Hein? Cette fille-là que j'avais vue là est une étudiante. Effie, s'il te plaît,
J'ai pas le temps pour toi. Va déposer ce bâton avant que le boss te trouve avec. Je ne suis pas surprise. Es-tu déjà allée à l'école? Comment cette fille-là peut être une étudiante? Mais normalement, les fous devraient avoir leur propre école, leur propre livre. Pourquoi les mélanger? Ce pays n'a pas de chance. Quoi? Attends, Judena, tu plaisantes. Tu es en train de plaisanter. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Es-tu le bon samaritain dans cette ville? C'est ça? N'oublie pas que tu as une image à protéger et je prie pour que tu n'amènes pas une pétasse un jour. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ikene, pourquoi tu me parles de la sorte? Pourquoi tu me parles de ça? Cette fille est très innocente. Et elle a besoin d'aide. Est-ce que tu t'attends à ce que je l'abandonne juste comme ça, sachant toutes ces circonstances? Vraiment? Quoi qu'il en soit, cela ne me concerne pas. Mais tu dois être très prudent. Oui, boss. Le boss a parlé. Comment ça se passe avec les résultats de notre voyage? Ok, les dossiers, je pense que ça doit être ici. Ma chérie? Chérie? Oh. Chérie, tu es là? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te dérange? C'est rien du tout. Chérie? Ça fait déjà une année depuis que nous nous sommes mariés. Et à chaque jour qui passe, à absolument chaque jour qui passe, j'ai fait tout mon possible pour te rendre heureuse. J'ai fait absolument tout ce qui était en mon pouvoir pour te rendre heureuse. Mais je sens qu'une partie de toi n'est pas du tout heureuse dans ce mariage. Pourquoi? Que veux-tu que je fasse de plus, chérie? Adam Abel, je suis prêt à faire n'importe quoi. Faire de tout mon possible pour te montrer mon amour pour toi. S'il te plaît, je t'aime, Ada. C'est bon, Akachi. Je suis désolée. Tu m'as toujours donné tout ce dont une femme peut rêver. Je t'aime. Et je t'ai promis qu'à partir d'aujourd'hui, je ne te donnerai aucune raison pour douter de ce mariage. Ok? Je t'en prie, pardonne-moi. Je t'aime. Je t'aime énormément. Je t'aime aussi. Thank you.
Et peut-être je commence vraiment à voir ça. Baby. Pourquoi est-ce qu'il y a juste une seule assiette? C'est pour toi seul, régale-toi. Tu dois d'abord faire la prière. Pardonne mes manières, bien. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous te remercions pour ce repas. Merci de le bénir et de le sanctifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, puis-je manger maintenant? Vas-y. Alors? C'est très délicieux. Waouh! Je suis ravie j'adore. Que ça te plaise. Sérieux, j'adore ça. Très, très bon. Tiens. Ah non, non, non. Ça, c'est pour toi. Je l'ai fait spécialement pour toi. J'insiste. S'il te plaît. D'accord. Bien, ceci, c'est pour toi. Non, c'est à toi. Non, arrête, c'est à toi. Peux-tu aller ouvrir le portail? Tu sais, tu es sucré plus que le charme. Je ne te comprends pas. Je sais que tu dois comprendre, tu vois. Tu es sucré. Je te dis. Tu es tellement sucré, tu sais. Tu es tellement puissante. J'aime ta façon d'embrasser. Allez, viens là, un petit bisou. T'embrasser, c'est comme manger du shawarma. Je suis pas un shawarma. Non, mais tu sais, t'embrasser, c'est comme manger du shawarma. Ferme tes yeux. Oh, tu es tellement sucré. Oh, qu'est-ce que tu es belle. Tu es amoureux? Tu sais, des fois, je me demande vraiment quel genre de cœur tu peux avoir. Même le genre de peau que tu as. Malgré tout ce qui t'est arrivé, tu as encore ce cœur-là d'aimer à nouveau. Man, je te tire mon chapeau. Sérieusement. Ouais. Et Ken, cette fille est différente. Très différente. Je ne suis pas surpris. Parce que c'est toujours ce que tu dis à propos d'elle toute. Devrais-je te faire un compte? Ça va même au-delà du compte. Tu sais, le problème est que je n'ai jamais ressenti ce que je ressens maintenant. Mouna est différente. Elle est très différente. Elle est encore fraîche et nouvelle. Et je vais épouser cette fille. Que viens-tu dire? Je ne suis pas en train de mâcher les mots à propos. Tu m'as bien entendu. Je vais épouser cette fille. Donc tu t'es fiancé. Oh,
comme un Anya. Ma petite sœur chérie, à présent, elle est fiancée. Hein? Écoute, je ne suis pas contente. Toutes ces histoires se sont déroulées sans que moi, ta grande sœur, ne soit informée. C'est pas gentil. Qu'est-ce que tu veux dire par cette arrivée si vite? Tu es censée connaître d'abord le monsieur. Pourquoi cette précipitation? Peu importe. Je suis contente pour toi, ma sœur. En tout cas, très contente. Félicitations. Oh, tu viendras cette semaine nous rendre visite? C'est une bonne nouvelle. Je vais cuisiner pour toi. Nous allons vous attendre. Hein? Ma petite chérie. Hein? J'ai de la joie pour toi. Gram, prends soin de toi, ma sœur. Félicitations, félicitations à Mouna. Elle a bien mérité ça, chérie. J'ai vraiment de la joie pour elle. Hein? Et tu sais quoi? Elle a dit qu'elle viendra avec son fiancé ce week-end nous rendre visite. Et tu sais ce que ça veut dire? Nous devons cuisiner pour elle. Mouna adore la sauce aussi. Donc je vais préparer ça pour elle. Le mal est que je ne connais pas le goût du monsieur avec lequel elle va venir. Cela veut dire que nous devons n'importe quoi, hein, du poisson. De manger le poisson, de la viande, du riz, de la boisson. Chérie, j'ai été entendue. Mais tu sais que ton mari aime bien manger n'importe quoi, non? Je sais, et c'est pour ça que je t'aime. Je t'aime aussi. Allez, viens là. Ok, je vais sortir un peu. D'accord. Prends soin de toi. D'accord, je le ferai. Waouh! Waouh! Oh, viens, 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 tourne, 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 tourne. Oh, tu es splendide! Très jolie! Merci. Tu sais quoi? Je suis devenu impatient de te rendre ma femme. Et tu sais quoi? Quoi? J'ai hâte de devenir ta femme. Allons-y alors. D'accord. Waouh. Mon amour, regarde, il vient à peine d'arriver. Ma sœur. Bienvenue, bienvenue à vous dans ma maison. Vous avez bonne mine. Et toi aussi, tu m'as vraiment l'air parfait. Comment allez-vous ici? Oh, en tout cas, on va bien, on va bien, tout va bien. Ok. Mouna, comment vas-tu? J'espère que ce n'était pas difficile pour vous de vous retrouver jusqu'ici. Non, non. Ok, ok. Pas du tout. C'était facile. Bien chérie, c'est comment la cuisine? Je suis presque à la fin, donc je rentre à la cuisine rapidement. Je reviens. Je te rejoins. S'il te plaît, dépêche-toi, chérie. Ah, alors, bienvenue, bienvenue encore dans ma maison. Comment va toute chose? Tout va très bien, ne vous en faites pas. Le business et tout, très voilà. Très bien, très je ne crois pas que ce soit la peine que je te le demande parce que tu as vraiment bonne mine. Dis-moi, que fais-tu exactement avec ma sœur? Comment suis-je censé savoir que Mouna est ta sœur? Comment suis-je censé le savoir? Tu t'es foutu de ma gueule. Oui, mais tu t'es foutu de moi après tout ce que nous avons eu ensemble. Je suis censé être en colère contre toi. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est moi qui devais être fâchée contre toi. En repartant à l'université, on m'avait volé. Les voleurs avaient tout pris. Mon argent, mon sac, mon téléphone, tout. Je ne pouvais pas t'appeler parce que je n'avais pas ton numéro en tête. Et quand j'avais fait faire la carte SIM, est-ce que tu avais appelé? Non. Ma mère était morte et tu n'étais pas là pour moi. Akachi est la seule personne qui était là pour moi. Il était là pour ma famille et tu es là en train de me dire que tu es fâché contre moi? C'est moi qui suis fâché contre toi. J'avais voyagé en dehors du pays 3 jours après ton départ. Je ne pouvais pas appeler. J'ai passé 1 année au lieu de 3 mois. Mais je n'avais jamais arrêté de penser à toi. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais perdu mon téléphone. Mon ami Ekene t'avait cherché. Sans te retrouver. Et à mon retour, je t'avais encore cherché.
Alors, je suis allé chez vous et j'ai rencontré ton frère Sidjé. Sidjé me dira que tu es marié. Ada, je ne t'ai jamais abandonné. Tu aurais dû au moins essayer de... Ada. Ada. Je dois repartir. Où est passé mon mari? Il est parti chercher le vin de palme qu'il avait demandé. D'accord. La nourriture est tellement délicieuse. Oui. Tu peux le dire encore. C'est tellement délicieux. Ma chérie. Ma sœur est la meilleure cuisinière. Tu peux le dire encore. Grande sœur, je vais aussi goûter. Je vais avoir un verre. Oh, désolée. Tu sais, j'aime le repas. Mon amour. Chérie, quel est le problème? Tu es restée ainsi depuis que ta sœur est partie. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, je t'en prie, parle-moi. Quel est le problème? Rien du tout. Le fait de nous retrouver à nouveau. Ça me rappelle notre mère. Je veux dire, j'aurais souhaité qu'elle soit vivante pour voir ce que nous sommes devenus. Allez chérie, essuie tes larmes, ok? Essuie tes larmes, je t'en prie. Je suis sûr que quel que soit où ta mère se trouve, elle est vraiment très très fière de vous deux. D'accord? Ça va aller. Allez, viens là. Ça va aller. Allez, essuie tes larmes. Ok? Ça va aller. Bien, allons à l'intérieur. Ça va aller, ok? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Arrête! Tu avais promis de faire les choses comme il se doit. Je suis vraiment désolé, j'étais juste emporté. C'est bon. Je t'aime. Je t'aime plus. Mon cher, écoute, je n'ai jamais été aussi confus de toute ma vie. Attends, t'es sérieux? Tu dois continuer avec ton idée du mariage. Elle est la femme d'un autre homme.
au moins, tu n'as pas couché avec elle. Donc calme-toi. Ce n'est rien du tout. Je me sens juste choqué. Tu ne devrais pas l'être. Mec, tu ne devrais pas l'être. Le mariage est dans une semaine. Alors change-moi vite cette tête. S'il te plaît, tiens bon, chérie. Mais... C'est bon, chérie. Mais mon dos. Du calme. J'ai très mal. Tiens bon. Calme-toi, chérie. C'est moi, on y arrive. Hein? Tiens bon, s'il te plaît. S'il te plaît. Chérie, du calme, ok? Tiens bon, s'il te plaît. Tiens bon. S'il te plaît. Tiens bon, chérie. C'est moi. Rose? Mais c'est chérie, bon, chérie. C'est bon. On y va. C'est très mal. Je le ferai. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Rose, laisse-la. Trouve-moi les clés. Trouve-moi les clés. Elles se trouvent dans la chambre. Rose, les clés se trouvent dans la chambre. Ok, monsieur. C'est bon, allons-y. Allons-y, chérie. Très bien. Pas de quoi. Tiens bon. Tiens bon, chérie. Tiens bon et sois forte, chérie. Ça ira. Hein? Tiens bon, chérie. Tiens bon. Tiens bon, chérie, ça ira. Hein? Tiens bon, s'il te plaît. Je sais que c'est de ma faute. Mais arrête de faire comme si j'étais le diable en personne. Tu aurais dû au moins deviner mon numéro et appeler. Arrête et comme ça, je t'aurais rappelé. Tout ceci n'allait pas nous arriver. Tu crois que je n'avais pas essayé? Tu crois que je n'avais pas fait tout ce qui est humainement possible? Écoute, je n'ai plus envie d'en parler. Tu es le mari de ma soeur et j'appartiens à un autre type. Excuse-moi. Ada, je t'aime encore. Ada, je t'aime encore. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, j'imagine juste quand nous allons nous marier, la manière dont tu vas te promener avec ton ventre, avec mon garçon dedans. Tu comprends? Attends, et qui t'a dit que je donnerai naissance premièrement à un garçon? Je veux d'une fille. Qui t'a dit ça? Mon énergie est forte. J'ai une énergie puissante, ce sera un garçon. Non, une fille. Un garçon. Une très jolie petite fille. Je sais que ce sera un garçon. Sérieux? Alors, ça ne sert à rien de discuter. C'est Rada. Je suis désolée. Désolée pour toute la peine que je t'ai causée. Désolée, pardonne-moi. C'est bon. J'ai... Écoute. Tu iras bien, ok? Et je serai toujours là pour toi.
Je ne me plains pas. Tu es une femme forte. Merci. Merci, grande sœur. Ça va aller. Chérie, bonjour. comment va Mouna maintenant? Oh, Dieu merci, Dieu merci. Ah, je suis soulagée maintenant. Dieu merci, elle va très bien. Ah, pas mal, je vais très bien, oui, ça va, je vais bien. j'appelais juste pour savoir si tout est ok. D'accord, mon amour. Je te parlerai plus tard. Hein? Ha! Je ne peux vraiment plus attendre pour avoir mon propre bébé. My son, Zerviden. Qui veut briser le portail de l'honorable comme ça? Hein? Qui est-ce? Qui est cette personne? J'arrive. Il faut attendre. Qui est-ce? Oh! Mademoiselle Rose. Mais tu veux partir où? Dis-moi. Comment va madame? Comment va-t-elle, non? Elle se sent maintenant mieux. Dis-moi. Madame va bien. Uh-huh. Elle est toujours dans la salle de travail. Comment? Nous devons prier pour elle pour qu'elle accouche très bien. La salle du travail? Quel genre de travail? Il faut me dire, non? Quand tu venais là, tu ne m'as pas entendu chanter. Je suis en train de chanter. Tous ces derniers jours, avant de dormir, je chante, je prie. Depuis le matin, j'ai toujours avec ma Bible comme ça. En train de prier. Je prie pour elle. Oh. Je demande à Dieu, je dis, Dieu, s'il te plaît, aie pitié de madame. Là-bas où elle se retrouve dans les labos, là, elle va bien se sentir. J'ai déjà prié, elle va bien se sentir, ne t'inquiète pas. Dieu écoute toujours ma prière. Les anges viennent d'être ici. Oui. Effé. Mademoiselle Rose. Effé, pourquoi tu es comme ça? Effé, pourquoi est-ce que tu fais ça? Quoi? Effé, dis-moi, tu n'as rien mangé depuis le matin? Je n'ai rien mangé. Oh. Et les jeûnes et prières, c'est comme ça qu'on les fait? Ah. Effé. Les miettes de pain que je vois sur ta bouche là, ça provient d'où? Tu as mangé dans le rêve ou quoi? Ah, ça ce n'est pas les morceaux de pain, ce que tu vois là. C'est ce qu'on appelle dans la Bible, c'est Sainte Seine. Moi je n'ai fait que toucher ma Bible, j'étais en train de prier avec ma Bible. Je n'ai pas mangé, j'ai jeûné. Ce que tu vois là, c'est pas les pains, je ne peux pas te mentir. Oh. Ah. Effet, tu n'es pas intelligent. Hi. Mademoiselle Rose, c'est à moi. C'est moi que tu as... Moi qui suis intelligent comme ça. Moi qui suis intelligent comme iPhone 11 Pro. Pourquoi tu m'insultes à chaque fois, non? Oh non. Voulu ou pas, tu dois me donner à manger. Moi je dois manger.
Je dois manger. Ne regarde pas mon ventre, je n'ai rien mangé. S'il te plaît, oh. My songs every day, la da da di da da. C'est terrible ça. Tu sais, c'est vraiment compliqué. Comment l'a-t-elle perdue, dis-moi? Je ne sais pas trop. Elle est juste là. Ça stresse, mec. Oui, oui, tu as raison. T'en fais pas, elle ira mieux, ok? Crois-moi, elle ira mieux. Je viendrai la voir le week-end. Mais toi, essaie de te calmer, je t'en prie. Sérieusement, tu dois vraiment te calmer. C'est bon. Bien, où est-ce que nous allons comme ça? Où que j'aille, tu y vas aussi. T'es pas sérieux, toi. Pourquoi pas sérieux? Où veux-tu rentrer maintenant? Ah, non. Peu importe où tu vas, j'y vais aussi. Ma sœur. Je crois que vous devez aller vous reposer. Je veux la surveiller. Je ne saurais pas la laisser comme ça. Je suis là. Je vais prendre soin d'elle jusqu'à votre retour. Vous avez besoin du repos, s'il vous plaît. S'il te plaît, attends. Bébé, pourquoi tu me fais ça? Jidenna! Je n'aime pas ça. Arrête, s'il te plaît. Bébé, c'est toi mon problème. C'est toi mon problème. Écoute, pourquoi tu fais semblant? Pourquoi tu me fais ça? Tu ne sais pas, tu n'imagines pas combien ça a été terrible pour moi pendant tout ce temps. Pourquoi? Jidenna. À présent, je suis la femme de quelqu'un. Bébé, juste dis-moi que tu ne m'aimes plus. Dis-moi que ça ne t'arrive pas dans tes pensées de m'avoir à tes côtés. Dis-moi que ça ne nous manque pas. Tu te rappelles combien nous avons été amoureux l'un l'autre? As-tu oublié notre meilleur endroit? Les choses que nous avons traversées ensemble. Mon amour, tu m'as beaucoup manqué. Tout ce qui est en rapport avec toi m'a manqué. Ta beauté m'a manqué. Ton sourire m'a manqué. Et même ta voix. Chérie. Tu m'as beaucoup manqué, pardon. On n'aurait pas dû faire ça. Ma sœur est à l'hôpital en ce moment. Elle se bat avec la mort. Et je suis là, en train de tromper mon mari, avec les maris de ma petite sœur. Bébé, c'est juste plus fort que nous. Ne le vois-tu pas? C'est plus fort que nous. Est-ce que je saurais me pardonner pour avoir fait ça? Bébé.
S'il te plaît, arrête. Oh, félicitations, Monsieur Judena. Allez-y. Votre femme vient de mettre au monde une petite jolie fille. Oh, oui. Oh, merci. Gloire à Dieu, en tout cas. Seigneur, merci. Merci. Oh, Seigneur. Merci, mon Dieu. Peut-on les voir? Oh, bien sûr, bien sûr. Venez. Ok, on y va. Viens, Rose. On y va. Franchement, parfois, ils me font rire. Un patron. Mon patron est un vrai homme. Il a mis madame enceinte. Ils ont un enfant. Ça, c'est bien haut. Tu avais l'air très urgente au téléphone. Tu es enceinte? Je m'en vais, ma belle. Tu sais quoi, je viendrai de temps à autre te rendre visite. Je sais. Mais pour l'instant, je dois d'abord rentrer au village et aller voir mon mari. Oui, mes salutations à Katia. Je le ferai. Viens par là. Merci, grande sœur. Merci beaucoup. Tu vas beaucoup me manquer. D'accord. Ok. Prends soin de toi. Toi aussi. Bye. Chérie. À plus tard, ok? Ok. Bonne route. Bye. Thank you.
qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Nous étions déjà bien d'accord. Non, 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 écoute-moi. Non, écoute, tu dois m'écouter. Écoute. Oui, je cherche des voies et moyens pour résoudre ces problèmes, mais pas de l'avortement. Oui, parce que tu ne peux pas avorter mon fils. Tu ne peux pas. Daniel, écoute-moi, tu dois bien m'écouter. Parce que j'ai été dans ce business très longtemps avant même que tu saches comment ça fonctionne. Et donc, c'est à moi de te dire ce qui doit être fait ou pas, ok? Et pas à toi. Oui, écoute-moi, c'est moi qui décide. Oui, c'est soit moi, soit rien. D'accord, je te verrai. Mais voyons, c'est quelle bêtise ça. Est-ce que tout va bien? Oh, oui. Tu vois, c'est toujours comme ça avec le business. Ouais. J'ai entendu parler de l'avortement. Qu'est-ce que tu as à faire avec? Ok, c'est juste une nouvelle stratégie que j'ai amenée dans l'entreprise. Et alors, ils essaient d'avorter cette idée. Voilà pourquoi je dis non. Je leur ai dit N-O-N. Parce que c'est moi qui ai plus des actions dans cette entreprise. Alors, j'ai le droit de savoir tout ce qui se passe là-bas. Tu comprends? Je comprends, apaise-toi. Bien. Oh, bien sûr, fais-moi confiance, je m'y mets. Mm-hmm. Je travaille dessus. Où est le bébé? Elle est dans le berceau. Ok, allons-y la voir alors. Alors, ça va toi? J'aime beaucoup être à tes côtés, tu sais. Bébé, est-ce que je peux te parler? Est-ce que tout va bien? Chérie, je t'en prie, assieds-toi. Qu'y a-t-il? Hey, chérie, écoute. Tu sais bien que je t'aime. Tu sais que je t'aime très très fort, ok? Je suis prêt à faire n'importe quoi pour te rendre heureuse. Quel que soit ce que c'est, dis-moi, ok? Je te le promets. Nous allons le traverser tous les deux, ok? Hey, parle-moi. Je suis enceinte. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu es enceinte de moi? Oui, de toi. De toi. Mon Dieu. Mon Dieu! Attends. Tu n'as aucune idée de la joie que tu viens de me donner. Oh, mon Dieu! Oh non, je t'aime tellement chérie. Tu viens de me rendre l'homme le plus heureux sur terre. Chérie, Akachi, calme-toi, ok? Chérie, écoute-moi très bien, ok? Je ne veux plus te voir faire quoi que ce soit dans cette maison, ok? Laisse-moi tout faire, d'accord? Plus de cuisine, plus de vaisselle, plus de rien au fait. Laisse-moi faire tout pour toi. Chérie, tout ce que je veux pour toi, c'est... manger, dormir et te reposer, ok? Afin que tu sois en pleine forme. Chérie, je t'aime, merci beaucoup. Calme-toi. Merci beaucoup, chérie. Arrête. Je sais que tu aimes ça. Je sais que tu adores. Oui. Tu apprécies ce que je fais, je sais. Oui, je sais. Arrête de faire semblant.
Dites-moi, comment va-t-elle? Monsieur Dudena. Elle a un cancer de l'utérus. Le quoi? Cancer de quoi? Vous m'avez entendu? Cancer de l'utérus. Et le cancer est déjà profond dans son système. Elle était sérieusement avertie sur les risques de mettre au monde. Mais elle avait refusé. Jusqu'au point de se fâcher et quitter l'hôpital. Elle était venue ici pour mettre au monde. Je dirais que le fait d'avoir un enfant a empiré son cas. Je ne sais pas pourquoi elle vous a caché ça, vous, son mari et sa sœur. Docteur, s'il vous plaît. Elle est mon unique sœur. Elle est tout ce que j'ai dans ce monde. Ne la laisse pas mourir. Que devons-nous faire? Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi tout ce que tu veux, je le ferai. Je ne veux pas qu'elle meure. On fera de notre mieux. Mais ça sera difficile qu'elle s'en sorte et sortir d'ici. Par moments, je ne sais pas pourquoi les gens jouent avec leur vie. Elle aurait dû écouter les conseils professionnels et essayer d'adopter un enfant. Mais elle a refusé. Si elle avait accepté ses conseils, peut-être que sa vie serait... Oh docteur, s'il te plaît, aide-nous à sauver sa vie. Peu importe les coûts. S'il te plaît. Nous traitons, mais c'est Dieu qui guérit. Priez pour elle sérieusement. Docteur, s'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez. Sauvez ma soeur, s'il vous plaît. Je ne veux pas que quelque chose puisse lui arriver. Dieu, oh mon Dieu. Je ne suis pas un saint, mais pourquoi Mouna nous aurait caché une telle information à nous tous? Comment a-t-elle pu me faire ça? Je ne suis pas tellement sûr qu'elle pourra survivre à ça. Ada porte mon enfant. Et peut-être que ce sera un petit garçon, mon premier garçon. Comment a-t-elle pu permettre à un autre homme d'être le père de mon fils? Mon premier fils, Dieu, aide-moi. Je suis vraiment confus maintenant. Je veux que tous ces problèmes trouvent solution le plus vite possible. Au fait, ça commence de là jusque attends, partout attends. Ici. Mais ça, c'est un terrain d'autrui. Oui, mais oui. Mais je pensais que tu m'emmenais dans un terrain vide. Non, c'est bien la ferme de quelqu'un, mais le propriétaire m'avait demandé de chercher un fermier pour s'en occuper pendant que je cherchais un client. Ce sont des choses qui arrivent, mon frère.
Tu dois juste te ressaisir. Ikene, tu ne comprendras pas. En effet, tu ne comprends pas. Parce que je ne comprends pas. Ce dont tu as besoin actuellement, c'est de nos prières. Ton téléphone sonne. Qui est-ce? S'il te plaît, parle-lui. Rose. Allô? Oui, Rose. Quoi? Oh, madame, madame, madame. Ah, madame, réveille-toi, non, madame. Hein? Moi et patron sont en train de prier pour toi, non, madame. Madame, il faut te réveiller. Hein? Ah, madame. Madame, il faut te réveiller. Oh. Il faut te réveiller. Je ne veux pas bien manger. Oh. Je ne veux pas bien manger juste parce que toi, tu n'es pas là. Ah, madame. Oh. Ah, je ne veux plus bien manger, oh. Je ne veux plus bien manger parce que tu n'es pas là. Je ne veux pas manger. Je ne veux pas manger, oh. Je ne veux pas manger. Non, madame. Il faut revenir, madame. Il faut revenir parce que je risque de ne plus manger, oh, madame. Il faut revenir. Moi et patron sont en train de prier. Mon cher mari et ma soeur, je sais qu'au moment où vous serez en train de lire cette lettre, je serai sans doute partie dans l'au-delà, loin de ce monde merveilleux, pour trouver le repos et la tranquillité de mon âme auprès de mon Créateur. J'avais suspecté quelque chose d'étrange entre vous le tout premier jour où je t'avais présenté ma soeur. Je n'avais encore rien compris jusqu'à 2 jours avant notre mariage, quand elle était venue chez nous.
Arrête, s'il te plaît. Ada, s'il te plaît. Ada, tu dois m'écouter. Juste écoute-moi. Ce n'est pas facile pour moi aussi. T'écouter? Mais comment? Que tu n'es plus amoureux de ma soeur, mais plutôt moi? Comment suis-je censé lui dire que tu es mon amour perdu? Que c'est bel et bien toi, le Jidena, dont je lui ai toujours parlé. Écoute, c'est déjà tard. J'appartiens à un autre homme. Et ma soeur t'aime. Elle t'aime avec tout son cœur. Si tu fais quelque chose de stupide, elle sera détruite. Ada, s'il te plaît. Ada, juste laisse-moi faire. Tu sais bien que je l'ai fait pour toi. Ce n'est pas que je l'aime plus que toi. Mais le... Mais tu sais, je ne serai pas tellement heureux dans le mariage. Jidena, tu as tout dit. Fais-le pour moi. Ma soeur mérite tout le bonheur du monde. Le mariage, c'est dans 2 jours. Écoute, peu importe ce que nous avons eu, c'est dans le passé. S'il te plaît, pense au futur merveilleux que tu auras avec ma soeur. Je t'en prie. Excuse-moi. Ada. Ada. Ada, tu dois comprendre. Ada. Ada. Je ne pouvais pas vivre à l'idée que tu m'as juste épousé que pour plaire à ma sœur, parce que tu l'aimes encore. Mais aussi quand j'avais découvert que j'avais une maladie mortelle qui pouvait me tuer à n'importe quel moment, j'avais arrangé un plan parfait pour mon avenir. Et je pense que ça a vraiment très bien fonctionné pour moi. Ma sœur a fait beaucoup de sacrifices pour moi. Alors que j'ai vu que c'était à mon tour de lui rendre la sincère pour tout ce qu'elle a fait pour moi. De lui offrir la chance de rester et de vivre avec le seul homme dont elle a jamais rêvé. Je n'ai pas voulu dévoiler cette maladie à tout le monde. Je sais que ma sœur m'aime, puisque je sais que ma sœur prendrait soin de mon enfant juste comme la sienne. Jidena, j'avais vu le test de la grossesse de ma sœur où tu l'avais caché. Et j'avais trouvé qu'il était vraiment temps pour moi d'aller me reposer. Je vous quitte de manière inattendue. Je souhaiterais que tu t'engages avec ma sœur après moi. Et si ma sœur va divorcer de son mari Akachi, s'il te plaît, permets-lui de donner un fils qu'elle mettra au monde le nom d'Akachi. S'il te plaît, car il le mérite, pour qu'il reste toujours partie intégrante de notre famille. Je t'aime, grande sœur. J'aime notre fille. J'aime aussi mon mari. Au revoir. Tu as été une sœur aimable pour moi. Je sais que vous êtes le meilleur dans cette affaire. Voilà pourquoi je suis venu vous voir. Je veux Akachi mort avant la fin de demain. Je ne le fais pas souvent. Mais si je peux demander, pourquoi veux-tu qu'il meure? Ah, pourquoi est-ce qu'un homme voudrait que son rival en affaire puisse mourir? Si ce n'est pas pour l'argent, la jalousie et l'avidité. Akachi est arrivé juste hier. J'étais celui qui l'avait ramené dans ce business. Et là, il est d'ailleurs devenu meilleur que moi, tel qu'on le dit. À chaque fois qu'il y a un client, on appelle Akachi. Il est devenu populaire et il veut même se vanter de cela. Écoutez, je veux avoir de la maille. Comment puis-je en avoir? C'est en l'éliminant, bien sûr. Alors faites votre travail. Rassurez-vous de le tuer avant la fin de demain. Ok? Il sera mort avant la fin de demain. Voilà ce que je voulais entendre. Donc son sang reste sur toi. Ne me parle pas du sang. Les mains ne parlent pas, ok?
faites votre travail, ok?